Alors, on va aussi regarder vite fait. Donc, Reynald nous a donné ça. Dans le jeu de base, il nous donne une épée d'attaque sournoise. Avec Big Picture, je pense. Il ne nous donne plus qu'une épée plus 3. Donc, l'épée courte d'attaque sournoise, c'est une épée plus 3 hein, également. Je vais peut-être la donner à Herbelis. Mais avec Quitter Vraie Vision, elle donne un bonus de 1 au coefficient d'attaque sournoise. Ouais, garde-la à R. T'as besoin. Hop. Lui, on va lui donner des baguettes. On va lui donner 5 potions de soins aussi. Peut-être ça. Voilà. Parfait. Et toi, t'as combien d'énergie? 86. Ouais, vas-y, bois. Il a plein de potions de rapidité aussi. C'est bon. Parlez. Bon. Alors, on Je va suis peut-être faire d'accord. une dernière petite chose. Avant d'arrêter la session. Ce sera Ah, fait. combien j'ai de sous? 16 000. Alors Oui. je vais écrire quelques sorts sur parchemin Oh, assez. avant de sortir. Qu'est-ce que t'as comme sort, toi, qui pourrait nous être utile? Ça, mon secret, c'est très important. Très très important. Brèche, tu l'as pas, brèche? Non, tu vas le prendre. Allons-y. J'ai pas envie de sortir avec plus de 15 000 pièces d'or. Je suis occupé. Hop. Oh, ça suffit. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Elle, je pense qu'elle va mettre un... Parlez. quelques sorts de feu solaire en réserve. Oui. Voilà, ça devrait être bon. 14 000 pièces d'or, parfait. Qu'est-ce que c'est? À 15 000 pièces d'or, on déclenche. Yann, t'es où? Oh, désolé, vous Parlez, n'avez. certainement. On Vous devez déclenche réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir une votre suite de groupe avant d'aller l'histoire plus que j'ai loin. envie de retarder pour le moment, donc. Sans aucun Alors, avant doute. d'arrêter la session, je pense qu'on peut faire deux choses. Déjà, aller à la Bonté Marine. Il y a un petit truc qu'on n'a pas fait, qui est assez amusant. Ce sera fait. Est-ce qu'il y a une porte secrète par ici? Et qu'il y a des petits contrebandiers. Ah! Toujours prêt à rendre service, mon grand. Eh ben, rends service, vas-y. Oh, Crochette. ça, je peux le faire. Oui. Puis qu'on va aller les latter. Certainement. Ils peuvent se montrer assez dangereux d'ailleurs. Hop! Oui, mais bon, très Salut bien, mais toi. cessez de Ah, m'ennuyer. Rustre a découvert notre cachette! Sacrebleu! Tuer ce maudit espion! Alors lui, il est là.
Un globe mineur d'invulnérabilité, une protection contre les projectiles, un bouclier. On va se charger de lui faire péter son globe. Et puis on va se charger. Le destin nous appelle. De le latter. Hein. Voilà un rôle à ma mesure. J'attends les ordres. Je ferai comme tu dis. Ouais. Tuez-moi ce gars-là. Et pas de quartier. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il me lance? KO. Ouh, c'est pas bon. Oui, bon, très bien. Je suis aussi prêt qu'une jeune fille en fleurs, mon ami. Quoi encore? On va aller par oui, là. Oui, parlez. Je vois. Ce sera fait. Par là. Oh, on a gardé le contrôle d'Edwin. On a perdu le contrôle oui. d'Erdelis. On a gardé le contrôle de Kaya. Dépêche-toi. Eh mais il déroule, lui, Corgan, qu'est-ce là. Qu'est-ce que tu veux, moucheron? J'aurais juré entendre Golodon. Bah, je sais pas si t'entends Golodon, mais tiens, essaye de balancer Antis sur le mage. Voilà, ça devrait le neutraliser. Ah, mais Corgan, qu'est-ce qu'il morfle là? 28 points de dégâts encore. Je suis Capitaine, occupé. C'est vraiment une saleté, hein. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Mage est prête. Ah, mais il a sa hache de jet. Et plus tard, je t'ouvre le ventre. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Je joue mal. Et quand on joue mal, on le paye. Ouais, bah, essayez de buter ce gars-là. Oh, ça suffit. Voyons. Vous pouvez utiliser de ma main. Ça, profondeur de navette. Ça va saigner. Heureusement qu'Edwin a tué le gars là. Eh hey, mais t'as plus de pot de pied Edwin. Qu'est-ce que tu fous? Aidez-moi, bande d'imbéciles. Oui mais. On va t'aider Edwin. Que puis-je faire maintenant? On va se charger de ce gars-là. Parlez. Il commence à m'agacer aussi. Oui, très bien. Je suis l'éclateur de crâne. Je sais pas si t'es l'éclateur de crâne. Ouais. Oui. Ardalis, t'es toujours plus parmi nous, pas parmi nous. Oh shit! Hey! Qu'est-ce que c'est? Bon, allez me buter ce gars-là. Viens-moi vite en aide. Ou bien souhaite-moi adieu tant que tu le peux encore. Oui. Parlez. Ça se passe carrément mal cette histoire là. Qu'est-ce que vous foutez là? Vous le butez ou vous faites semblant? Oui, ce sera fait habilement et soigneusement, si ce n'est pas le cas. Mortis. Qu'est-ce que c'est? J'attends vos instructions. Oh bah mince. Eh bah dites-moi. Eh ben, l'ami Edwin, il a morflé. Ah, les pirates font super mal. Sans attendre, je serais heureux de danser sur ton air, si ouais, tu savais ouais, jouer. Ben, avant de danser, tiens, tu vas te soigner. Sommaire, barbare, mais... Ouais, je sais, t'es bougon, Corgan. Parlez. Je suis d'accord. Char guide mon bras. Bah Vicky, c'est pour ça que... quand t'as laissé un sort... Vita,
Le rappel à la vie. Quoi encore? Edwin fait ci, bah quoi encore fait ça, que quelqu'un trouve une fais pas le malin, mec, je viens de te ramener parmi les morts. Hein. Donc comme on voit, il a déjà... Et ça, c'est normal, hein, on peut pas lui enlever. Il a déjà son amulette. Hein. Eh ben... Ah, ça a été, mais d'une violence incroyable. Le pauvre Edwin s'est pris... Il a perdu toutes ses pots de pierre et paf, paf. Une épée longue de mètre. Bah, rien d'intéressant, probablement rien. Probablement rien. Et là, peut-être quelques potions. Deux potions de soins minables. Oui, ce sera fait. Alors, on a combien de sous? Ah, on a encore un peu plus de 15 000. Mon ami Edwin. Oh, assez. Oui, bah assez, assez, assez. Hein. Je suis occupé. Bah, t'es peut-être occupé, mais tu vas m'écrire un sort. Tiens, nuage mortel, on va le filer à Yann. Qu'est-ce que c'est? Certainement. Je vais aussi aller rapidement crocheter les serrures. Sans aucun doute. J'avais gardé pour plus tard chez mes amis les voleurs. Là-haut. Ce sera fait. Bon sang, Edwin. T'as pas tardé à te faire défoncer, hein. On t'a recruté depuis quelques heures et t'es déjà mort une fois. C'est dingue, ça? Certainement. Pourtant, t'es pas mauvais. Hein. Alors, pendant qu'on est Yann, il est illusionniste niveau 9 et voleur niveau 9 et il passe un niveau de voleur. Allons-y. Il gagne... Alors, qu'est-ce que j'avais dit qu'il devait gagner? En crochetage, je pense. Ça, c'est intéressant. Subtilité, je m'en fous. Poser des pièges. Et donc, crochetage 100, détection de pièges 105, poser des pièges, il doit avoir 50, je pense. Très bien. Je le ferai. Ah, pour un homme, ça suffit. Je suis pas sûr. Si, il a gardé son script. Oh là là, on a 600 réputation. On va peut-être faire monter la réputation. Toujours prêt à rendre service, mon grand. Alors donc, le long des murs, il y a plein de... Il y a bien longtemps... De serrures à crocheter. Qu'on va crocheter. Et à chaque fois, il y a une petite récompense. Qui augmente, hein. Ça, c'est la serrure la plus simple. Et les serrures les plus compliquées, ils sont au fond là-bas. Et au fond d'ailleurs, elles sont piégées. Donc on a un tout petit peu plus d'argent à chaque fois. Et on aura même des objets magiques à la fin. Et des gemmes. Je soigne pas Edwin, hein, parce que je pense que de toute façon, on a assez bouffé de potions. Hein. On va le soigner au temple, avec de l'argent. On a plein d'argent. Je vais quand même... Avant de faire le con, là... Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est uniquement les serrures du fond qui sont piégées. Hein. Enfin, ça me tuerait mon petit Yann. Ce serait ballot. C'est que j'y tiens, mon petit Yann.
Alors là j'ai tout crocheté. On va crocheter ça. Allez, ici, 80, ça commence à faire. 90. Des potions de maître voleur et des gemmes. Une émeraude, ça commence à valoir cher. Potion de perception. Ah, t'as pas le droit, mince. Diantre. Parlez. Sans aucun doute. J'aurais juré entendre Golodon. Non, ça on peut pas. Oui, oui. C'est une tactique bien connue. Disait... Gemme solide, très cher, c'est la gemme la plus chère du jeu en fait. Encore deux gemmes, je pense qu'on peut toujours pas les prendre. Il y a un peu trop de carreaux là. Tiens, le bâton, ça c'est pour Edwin. Et ici, trois objets magiques, je vais pouvoir en prendre que deux, super. Une besantine plus un. Ah! Une tarche plus un. En principe, une épée plus deux. Juste une épée plus deux simple, ça fera des sous. On a déjà plein d'épées. Ok, bon, je vais écrire quelques parchemins parce que j'ai encore à nouveau plus de 15 000 pièces d'or. Je fais ça hors caméra et je reviens tout de suite. Voilà, c'est fait. Donc j'ai retranscrit quelques sorts. Je vais On fait donc une nouvelle fois appel sur à parchemin. Moi. Je vais essayer maintenant de les faire apprendre pour certains. Toi, tu as besoin de ça. Ouais, du premier coup, c'est cool. De ça. Bon bah celui-là tu l'as cramé. Tant pis. Yann, t'auras besoin de mots secrets, je pense. Ça c'est bien. Du premier coup. Brèche, ça pourra te servir. Du premier coup, ça aussi ça tombe bien. Les nuages mortels, ça pourra te servir aussi. Oh, belle performance de Yann qui a appris ses trois sorts. Parlez. Allez, maintenant on va filer. Ce sera fait. Tiens, je crois que j'ai pas fouillé l'étage d'Edwin, donc je vais aller le fouiller, vite fait. Dépêche-toi. Très bien. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à prendre, hein. À mon avis, il y a même rien. Pièces d'or. Bon, les armoires fouillent pas. Quoi? Il y a un griffon dans les parages. Oh, ça, je peux le faire. Ok. L'épée, je vais la prendre, mais Yann, il a pas de place. Qu'est-ce que tu veux, mon? Il y a intérêt que je sois bien payé pour ça. Hop. Hop. Mais je ne peux pas. Je suis allergique. Bon, très bien. Mâche et prête. J'en ai saigné pour moins que ça. Là, il n'y a rien. Ah, là, il y a une table. Oh, 13 pièces d'or, hein, ça se prend.
Il n'y a pas de petit profit. Six potions de soins, ça se refuse pas. Même si c'est des toutes petites. Yann, Yann vient Janssen, détecter. Pour je vous suis pas sûr, je pense pas qu'il y ait de numéro, piège à l'étage d'Edwin, mais comme Drist, on sait jamais. Et Wulfar, Elminster et Volo. Ah, allez, je vais faire une folie. Et si on s'associait pour vendre des navets au porte-à-porte? C'était verrouillé, et ça, non. Hein? Je reprends vos... Une lance de maître et 47 pièces d'or. Allez. Oui. En route certainement. Pour le temple. On va se soigner. Puis on arrêtera là la session. Le temple, il est là. Sans aucun doute. Bon, je vais même arrêter la session dès maintenant, hein. Je vais me soigner hors caméra, c'est pas très intéressant. Et on reprendra la prochaine fois pour les quêtes de la couronne de cuivre. Allez, bye bye!